a besoin d'un développement rapide sur Nantes Atlantique, et donc des travaux très rapides peuvent être engagés pour accueillir dans des bonnes conditions les passagers. Mais au-delà, on va réfléchir sur la nouvelle aérogare, quel type d'aérogare. Ça dépend aussi des choix sur le mode de développement de l'aéroport Nantes Atlantique. On doit aussi travailler sur la façon dont les complémentarités vont jouer entre les différentes plateformes du Grand Ouest. On s'est donné 6 mois pour préciser les modalités de développement de Nantes Atlantique, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer à court terme. Il y a des travaux qui vont être engagés très rapidement sur le réaménagement de l'aérogare existante pour accueillir les passagers dans de bonnes conditions. Évidemment, il y a des enjeux sur les nuisances sonores. Et vous savez qu'il y a des dispositifs qui existent pour permettre notamment des isolations phoniques des habitations. Le maire a fait remarquer qu'aujourd'hui, ces dispositifs ne prennent pas en charge 100% des coûts des isolations et que pour certaines familles, ça peut être une difficulté. Donc c'est par exemple ce type de sujet qu'on peut explorer. Le maire a aussi souligné qu'aujourd'hui, le développement de sa commune doit prendre en compte les nuisances aériennes, mais qu'il est aussi dans une commune soumise à la loi littorale. Et le maire souhaitait savoir si on pouvait réouvrir des possibilités de développement de sa commune. Le premier travail qu'on a à faire, c'est de s'assurer qu'on tient les promesses de la ligne actuelle et donc qu'on relie bien Nantes à Paris en moins de 2 heures. Il y a des études qui sont en cours, vous savez, un schéma directeur notamment sur la ligne Nantes-Angers-Le Mans pour regarder comment on peut fluidifier le trafic, donner plus de robustesse. Je pense que les gens, ils ont besoin de savoir que quand ils prennent un train, il arrive à l'heure. Et donc c'est un chantier qui ne concerne pas que le Grand Ouest, mais qui s'applique spécifiquement dans le Grand Ouest. Comment fluidifier les trafics, à la fois pour aller vers Paris et puis aussi pour assurer des connexions avec Roissy. Vous savez qu'il y a 4 TGV qui relient chaque jour Nantes à Roissy. Est-ce qu'il faut mettre plus de TGV pour cette liaison entre Nantes et Roissy? Est-ce que les horaires sont bien calés par rapport aux horaires des vols? Donc c'est sur ces sujets-là aussi qu'il faut travailler.